j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi, weekly vlog. Bonjour. J'ai décidé de commencer ce weekly vlog un lundi. J'espère demain, si tout va bien, vous faire un vlog sur ma journée d'école. Aujourd'hui, vous allez me suivre un tout petit peu, mais peut-être pas beaucoup. Vu que le weekly vlog, je voudrais pas qu'il dure 50 ans. Petite aventure du jour. Cette nuit, on a été réveillé à 3h30, il y avait le feu dans le bâtiment de mon papa. Donc, on a voulu descendre, mais c'était inaccessible. Donc nous sommes restés, les pompiers sont venus voir après pour nous dire de rester. Malgré tout, j'ai quand même inhalé un peu de fumée avec mon père parce qu'on a voulu voir si c'était accessible ou pas. Bref, ça va. J'ai appelé le SAMU pour savoir, étant enceinte, comment ça se passait et tout ça. Ils m'ont dit que j'avais pas les gros symptômes, vomissements, vertiges, etc. Donc ça devait aller, je me repose, je surveille. Mais je vous avoue que ce matin, après 5 heures, même pas de sommeil, même pas 4 heures, je suis pas trac, je suis pas au top, j'ai mal aux bronches. Je vais surveiller, on verra si je tiens la journée ou pas. Sachant que j'ai une grosse journée. J'ai du mal à respirer déjà, que je respire pas bien, mais alors là... Bon bref, je vais aller imprimer mon cahier journal, parce que du coup, chez mon père, il n'y a pas d'imprimante. Faire ma piqûre de diabète pour vérifier si tout va bien. Et travailler. Alors, je vous retrouve, il est 13h, bientôt l'heure de reprendre le travail. J'ai mangé, je me suis reposée, je vous avoue. Ce matin, on a eu une alerte où il fallait être en mode confinement puisqu'il y a des soucis dans ma ville, on habite proche de Paris. Et avec tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, les manifs, les trucs, enfin, il y avait une manif aussi, des VTC, enfin bon, tout plein de bazar. Il y a eu pas mal de voitures brûlées dans ma ville, enfin, dans la ville de l'école et dans le coin. Donc l'inspecteur d'académie a demandé que les enfants restent dans les classes et ne sortent pas. Donc, nous ne sommes pas sortis. Nous avons bossé. J'ai ramené une petite surprise à mes élèves qui est là. Petit calendrier de l'avant avec Monsieur Loup déguisé en petit Père Noël. Mardi dernier, on avait mis notre petit sapin de Noël. Et il y a une élève qui fête son anniversaire tout à l'heure, donc ça va être goûté d'anniversaire tout à l'heure. Là, il faut que je finisse de mettre les devoirs. Ensuite, on va travailler les mathématiques, parce qu'on ne l'a pas fait ce matin. Et je vous avoue que j'ai quand même hâte d'être là ce soir, parce que... Parce que déjà je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, hein, comme je vous l'ai dit, mais tous ces événements m'ont. Je suis stressée, je le sens, je suis stressée, du coup ça me. C'est assez rare que je sois comme ça. Donc voilà. Petite émotion du jour, hein. Donc je vais finir tout ça. Petit anniversaire de prévu, comme je vous avais dit, des jolis gâteaux, et des petites boissons, et les petits chocobons. Mes élèves étaient trop contentes de découvrir Monsieur Lou comme ça, genre c'était la grosse surprise. Coucou, on est mardi, donc comme vous pouvez constater, je suis toujours couverte jusqu'au cou parce qu'en fait je viens d'arriver dans ma classe. Il est 7h45. Ce matin sorti à 8h15, logiquement si tout va bien, s'il n'y a pas de consigne de confinement aujourd'hui. Donc on verra, sinon on restera en classe et on travaillera, mais ça voudrait dire que notre sortie aura été payée, mais ne sera pas remboursée par l'éducation nationale, ce qui m'étonnerait, donc sera de notre poche, hein. Ou en tout cas de la poche des enfants, je sais pas trop comment ça va se passer, c'est une vraie galère. Ce matin, donc sortie cet après-midi, lecture sur toujours la lettre B, donc le son B. Mathématiques, enfin bon, journée bien complète, et en fin de journée... Qu'est-ce qu'on a? On a un truc ou pas aujourd'hui? Non, je crois qu'en fin de journée, aujourd'hui, on a rien de spécial. Donc ma foi, voilà. Faut que j'aille donner mais des papiers à ma directrice, il faut que je fasse mon petit diabète de grossesse avant de partir. Il est quelle heure? Presque 17h et je suis avec mon... Allez papa. Et oui, je le montre en vidéo, il voulait vraiment apparaître dans ma vidéo, je crois. Et du coup, il est gentil, il est trop mignon, il m'a ramené à l'école hier, aujourd'hui, enfin bon, une vraie princesse. Donc là on rentre, on va se préparer, enfin moi je vais me préparer, on va manger un petit truc et après il m'emmènera à la gare pour prendre le train pour Lille. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Le pauvre, t'en as pas marre de m'emmener? Non, c'est un plaisir. On dirait, il parle, c'est en interview. Eh, bon, c'était naturel papa. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça veut pas naturel de dire ça. C'est un plaisir. Bah comment tu veux que je te dise? Bah je sais pas. D'être avec sa fille, c'est un plaisir. Ah voilà, là c'est plus naturel. Coucou, on se retrouve mercredi à la maison. Je suis rentrée hier soir en ouvert 22h. J'ai retrouvé ma maison à moi. Avec, y a mon plat qui est prêt là. Je me suis fait des petites courgettes avec des petites pommes de terre et du poulet cuit.
Donc, mon petit sapin, je vous l'ai montré sur Instagram. D'ailleurs, je vous ai mis un petit onglet Christmas sur Instagram. Vous pouvez revoir toutes mes stories qui concernent du sapin avec tous mes calendriers de l'Avent que j'ai ouverts. Qui sont là, il y en a trois, la durée découverte pour l'instant, et celui-là du thé, j'hésite à l'ouvrir encore, parce que, comme c'est que du thé à l'intérieur, je ne sais pas si c'est ça la grande chose que je l'ouvre. Sachant que je ne peux pas boire de thé tous les jours. Pour mes enfants, à côté du sapin, j'ai installé une petite, un petit buffet là sur le buffet, comme ça, des petites décos, voilà, avec leur calendrier de l'Avent chocolat. Et voilà pour le sapin. En revanche, mes calendriers de l'Avent qui sont là-bas, vous voyez, sur la table, je ne sais pas où les mettre parce que j'ai peur de les mettre à côté du sapin et que mes enfants y touchent. Peut-être dans le coin là-bas, je vais voir. Et comme vous pouvez constater, j'ai reçu pas mal de colis. Alors je pense il y a des choses que je vais vous présenter sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram juste ici si ça vous dit d'aller voir dans la case aussi unboxing, des stories permanentes unboxing. Mais il y a des choses que je vous présenterai sûrement dans une grosse vidéo unboxing spéciale avant les fêtes ou un truc comme ça. Et j'ai reçu aussi cet énorme colis, mais ça je vous dirai dans ma vidéo unboxing, donc spécial colis et tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette petite merveille? Et voici pour mon plat, donc comme je vous disais, petite courgette cuite à la poêle, pommes de terre, poulet, petite salade de fruits, et je verrai si je peux la manger, sinon je la mangerai tout à l'heure avec un yaourt. Je vous retrouve avec mon petit thé chaud. D'ailleurs, dans mes favoris, je devrais vous mettre cette tasse hein, parce que j'en suis fan. Et même ce thé que j'ai eu dans mon sort avec Rima, le Yugi Tea, une infusion bio que j'adore. Pourtant, vraiment, je pense que si je l'avais senti en magasin, je l'aurais jamais acheté. Mais je l'ai goûté, j'adore. Je me suis pris une petite gourmandise parce que je suis un peu entre guillemets en mode hippo. Pourtant, je viens de manger il y a une heure, hein, mais bon, ça arrive avec la style, souvent ça arrive. Et j'ai reçu deux Birchbox, il y en a une qui est offerte par la marque et une que j'ai reçue parce que je suis abonnée. Donc ben, je vais les ouvrir et on va pouvoir les comparer aujourd'hui, j'aime bien faire ça, mais rapidement quoi. Et en plus elles sont vraiment magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, mais les trousses, elles sont juste sublimes. Et je pense que celle que moi j'ai commandée avec mes petits sous, je vous la ferai gagner sur Instagram et sur Facebook comme la dernière fois. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Donc ouvrons. Waouh, cette box du mois de décembre est juste dinguissime. Je découvre un produit, donc un gel moussant de la marque La Roche-Posay qui s'appelle Effaclar. Donc ça c'est trop bien. En plus c'est des petites miniatures comme ça que moi j'adore emmener chez mon papa quand j'y vais. Un petit produit pour les cheveux de la marque Bumble & Bumble, donc archi connu, qui s'appelle Primer Base Dermoprotectrice protectrice anti-UV, donc qui se présente comme ceci. Une crème de nuit, je crois, neige éternelle, une crème jeunesse aux fleurs arctiques, neige éternelle de chez Polar. Donc ça, je suis trop contente de la tester aussi. Un full cover, donc une crème correctrice de la marque It Cosmetics. Donc moi j'ai déjà, en ce moment j'utilise justement le la CC crème, donc c'est un échantillon de la CC crème je pense hein, à vérifier. Donc oui, ça doit être la même que j'ai, donc ça c'est cool parce que je l'ai déjà. Je l'aime beaucoup, après c'est pas l'amour fou entre nous deux, mais on va dire qu'elle est pas mal, c'est pas non plus la révélation. Et alors encore mieux, de blanc en crème, on a un gommage corps noix de coco nourrissant. Donc ça je pense que c'est la box que j'ai reçue gratuitement. Et alors celle que moi j'ai commandée, je sais ce que j'ai eu logiquement parce que je l'ai vue sur le site Birchbox. Quand vous êtes abonné, vous pouvez regarder ce que vous allez recevoir. Donc j'ai eu la fameuse crème Polar encore une fois, donc ça je suis trop ravie. Le fameux gommage à la noix de coco de chez Blanc Crème. Moi j'ai reçu donc un soin pour les cheveux fins et clairs light Moroccan Oil. Ça j'avais déjà eu, j'avais offert à une copine parce que moi j'ai pas du tout les cheveux fins et clairs. Donc ça je pense que je vous l'offrirai. Donc comme je vous ai dit hein, dans ma box à moi, donc j'avais eu aussi un démaquillant bifacile de Lancôme. Donc ça j'étais ravie. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des produits Lancôme. Un eyeliner que j'avais déjà reçu dans une glam bag et que j'adore, donc de la marque Eiko. Et mais je crois que c'est tout déjà, c'est très bien. Donc ça fait bien 5 produits. Et alors dans les deux box, il y avait bien un petit bijou comme ça de la marque Balzac Paris. Oui c'est bien ça, Balzac Paris. Et je crois que c'est une petite bague qui est juste magnifique. Elle est trop choute. Là vous la voyez bien, elle est sublime hein. Petite bague comme ça, très discrète, très mignonne, qui peut s'adapter à toutes les tailles. Donc je trouve ça trop sympa comme cadeau. Donc je pense que voilà, c'est une bague de phalange comme ça, très jolie.
trop contente de cette, bah, de ces deux box. Mais vraiment, elles sont ce mois-ci, elle était top, je trouve, la Birchbox. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi en commentaire, si vous avez été déçu ou plutôt ravi. Mais moi, là, vraiment très, 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 très ravi. Coucou, on est jeudi. Cherchez le mot. Sur les lèvres aujourd'hui, je porte le Medusa que j'ai eu par ma copine Clémence et je le trouve juste magnifique comme rouge à lèvres de la marque Huda Beauty pour celles qui ne connaissent pas. Ce matin, j'avais rendez-vous avec la sage-femme. Du coup, j'ai été à mon rendez-vous. J'avais déposé mon fils avant chez ma belle-mère. Et en plus, j'ai reçu un sublime colis. Donc, bref, j'ai fait 2-3 achats chez Action aussi. Donc, bref, tout va bien au niveau de bébé. Tout a l'air de se passer comme il faut. D'ailleurs, j'ai fait l'échographie. Vous voyez que dans ma tête, c'est mélangé aujourd'hui. J'ai fait l'échographie la semaine dernière, vendredi dernier. Et du coup, je sais le sexe de bébé. Je vous l'ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux, mais pour celles qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, bébé 3, je suis perdue, moi, sera, je prends mon petit truc pour vous donner un indice, sera un petit garçon. Pour celles qui ne savent pas, voilà, j'attends un deuxième garçon, logiquement, si tout va bien. Je dois tout de même faire une écho parce que certaines choses n'ont pas été bien vues à la deuxième écho, là. Donc je vais refaire une écho et j'ai craqué pour ces petits chaussons à 2,99€ je crois chez Action. Voilà, pour qu'il ait des petits chaussons, j'ai pas du plaisir, j'ai trouvé trop choukinou et voilà. j'y suis allée parce que si vous avez vu mon dernier vlog, à la base, mon dernier vlog Action, je vous remettrai quelque part ici, j'y allais pour ça quand même, pour du gros scotch, vous savez, pour les cartons et tout ça. Mais j'ai complètement oublié, j'ai fait un craquage de malade dans les magasins Action et Jiffy, mais j'ai oublié la base, pourquoi j'y avais été. Donc là, cette fois-ci, j'y suis allée pour ça. J'ai acheté 3 rouleaux de papier cadeau, pareil, j'y avais été pour ça la dernière fois, mais je les avais pris, mais mon fils les a balancés dans les rayons. Et du coup, j'ai pas fait attention et je les ai pas pris du coup. J'ai pris des piles parce que vous savez qu'avec Noël, et puis là, il y a plein de jouets où il faut remettre des piles. Il y avait que ça Action en ce moment de dispo, soit 3,40€. Bah, c'est pas si cher que ça, c'est des Philips et il y en a 16 dedans, donc ça va. J'ai pris ça pour offrir à une collègue. C'est un petit kit comme ça. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai des éclairages. Bon, vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire. Mais je les ai installés hier. Vous les verrez dans ma vidéo unboxing. Donc, je ne sais pas si ma vidéo unboxing soit avant ou après celle-là. Mais voilà, du coup ça reflète. Il faut que j'apprenne à régler la luminosité aussi, mais voilà. Donc j'ai pris ça, un petit kit avec un stylo, un taille crayon et un petit carnet. Ça je me dis que pour une collègue ça fait toujours plaisir, c'est toujours le petit truc sympa. J'ai pris du coton comme ça pour moi. Il y a des nouvelles brumes chez Action, donc j'en ai pris une, mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir aussi encore une fois à une collègue. C'est 1,99€ et c'est la Starry Night. Je me suis dit qu'en cadeau là, je vais faire un mix de plein de choses, ça peut être super sympa. Pour ma belle-mère, je lui ai pris cette petite lingette là, vous savez, démaquillante, j'en ai déjà plein. Mais la dernière fois, j'en ai parlé, elle connaissait pas, donc je me suis dit que j'allais lui acheter pour lui ramener dimanche. Oui, dimanche quand je vais retourner chez elle. Hein. Des petites piles comme ça pour les veilleuses parce que ma fille elle les utilise à foison. J'ai pris cela. Alors je sais que la dernière fois, on m'avait déconseillé dans mon haul Action le gold pour le visage. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-ci et j'en ai pris un pour offrir aussi. On verra bien. Niveau scratch, j'ai rien pris à part ça, des petites lettres comme ça en bois, mais des toutes petites, donc j'ai trouvé plutôt pas mal. Un Toblerone en promotion, pour offrir, je précise. Ça pour ma fille, pour mettre sur ses cadeaux de Noël, et il y a un cadeau qu'on va déjà construire, puisqu'elle a une maison de poupée qu'on lui a acheté. On va lui construire, on va mettre une couverture ou quelque chose dessus, je verrai comment je vais faire ça. Et je voulais lui mettre des, vous savez, des trucs comme ça, j'en voulais des gros, mais j'ai pas trouvé, donc... J'ai pris ça en attendant. Ça me servira pour tout ce qui est emballage de cadeaux, etc. Et ça, voilà ma foi, des petites chaussettes panda, j'ai trouvé mignonne pour bébé. Donc voilà, pas de craquage. Ah oui, et 2 boîtes comme ça pour mettre sous mon évier, pour ranger tout ce qui est torchon, etc. Pour éviter que ça traîne ou que ça tombe. Voilà, j'ai pris les 2 boîtes comme ça, donc sous l'évier de la cuisine. Et je viens de recevoir un colis. Je suis juste ultra, ultra, ultra touchée. Je vous montre, mais je vous fais un unboxing sur Insta. Et je pense que je vous en parlerai après dans d'autres vidéos parce que voilà, je trouve ça trop, trop fort. J'ai un code promo si ça vous intéresse, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, les marques nous proposent des codes promo. Ou des fois, moi, j'en demande aussi pour vous parce que je me dis que ça peut toujours intéresser.
Juste pour vous donner un petit indice. Est-ce que ça va vouloir focuser? Oui, là, je pense que vous voyez bien. Oh là 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 là. Et les boîtes sont toutes en velours, on dirait une matière hyper belle. Et oui, c'est une montre Daniel Wellington. Je suis trop heureuse. Vous imaginez même pas. Je sais pas dans quelle vidéo vous la montrer. Dans un unboxing, ici, je sais pas, tellement je suis trop ravie. Bon, je vous la montre quand même. Mais je fais l'unboxing de tout parce que j'ai trois trucs en tout. Voilà. Je fais l'unboxing de tout sur Instagram si ça vous dit de venir voir dans l'onglet unboxing. Même si vous venez trop tard, après les 24 heures, il sera toujours dans l'onglet unboxing. Et waouh, j'ai hâte de la mettre. Ouh, Madame Catastrophe est de retour. Pourquoi j'ai demandé une montre? Parce que je me suis dit que à l'école, ça pouvait être super pratique. En fait, j'ai pas de montre. J'en ai une, mais elle a plus de pile. Et à l'école, ça a tendance à me gêner. J'ai une montre en métal, vous savez. Donc là, j'ai choisi en bracelet cuir noir, comme ça, toute noire, parce que je la trouvais très très jolie, très sobre. Et je voulais pour l'école, parce qu'en classe, des fois, je galère. Mon téléphone est voilà, rangé dans mon sac. Et même s'il y a une horloge et tout, j'aime bien avoir une montre à la main et pouvoir savoir à quel moment, comment m'organiser. Donc je trouve que c'est quand même super pratique pour la classe. Donc voilà pourquoi j'ai commandé une montre Daniel Wellington. Je vous mets mon code promo ici à moins 10% sur tout le site internet. Et même en plus des promos, puisqu'en ce moment je crois qu'il y a... Non, mon code c'est moins 15% je crois, je sais plus, je vous mettrai là. Et il est cumulable avec les promos qu'il y a en ce moment sur la boutique Daniel Wellington. Où il y a moins 10 ou moins 15, je ne sais plus, il y a déjà des promos sur le site, donc vous pouvez tout cumuler. Donc ça, je trouve ça top. Et moi, je vais regarder aussi pour peut-être en offrir une à ma belle-mère ou à mon père, parce que mon mari, lui, il a une montre connectée, donc ça ne l'intéresse pas spécialement, une montre comme ça. Mais ma belle-mère, peut-être, parce que je sais qu'elle aime beaucoup les montres aussi, donc je vais voir. Et puis pour les remercier de m'accueillir tous les dimanches et les lundis et les mardis et de me supporter. Bon, voilà pour mes petits achats du jour. Programme. Mon fils fait la sieste, je vais aller chercher ma fille après 4 heures. Je vais aller, je pense, faire les magasins avec ma belle-mère ce soir parce qu'elle a besoin de faire des courses. Donc, je vais y aller. J'espère récupérer ce soir mon colis de calendrier de l'Avent. Oui, on est le 6 décembre et mon dial relais a un peu perdu. Je sais pas trop ce qu'il a fait avec mon colis de calendrier de l'Avent avec ma copine avec qui je l'ai fait, une youtubeuse. J'espère que vous aurez ma vidéo donc ouverture du colis du calendrier de l'Avent, en tout cas la première semaine. Logiquement, vous l'aurez le vendredi, mais si je l'arrive à l'avoir, étant donné qu'on est jeudi... Non, c'est dimanche que vous aurez la vidéo. Oh, je suis perdue dans les jours. Hein. Pff, oh là là, je vais pas m'en sortir. Mais bref, logiquement, vous l'aurez avant. Donc si c'est le cas, je vous la remettrai dans le petit... Mais là, j'espère vraiment que mon dial relais, ça fait plus d'une semaine qu'elle a envoyé la pauvre. Moi, elle l'a reçu en 3-4 jours, mon truc extraordinaire, alors que je l'ai envoyé après elle. Et malheureusement, elle, bah, son colis, je sais pas, il... Je sais pas ce qui s'est passé dans le Nord, mais ils ont eu du mal à l'expédier jusqu'à moi. Donc, ma foi, voilà. Voilà les nouvelles. Bon, je vous dirai tout à l'heure si j'ai reçu mon fameux colis. J'ai trop hâte de le recevoir et de découvrir les 6 premiers cadeaux. Du coup, je vais ouvrir les 6 premiers d'un coup. Bon, ça, c'est cool quand même, hein. Coucou, on est vendredi, j'ai plus beaucoup de batterie d'ailleurs dans mon appareil photo, il va falloir que je charge ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Eh bien, j'ai été déposer ma fille à l'école, déposer mon fils à la halte garderie, parce que c'est bien la première fois qu'il y va, donc on verra, je dois le récupérer dans une heure. J'ai eu le temps d'aller faire ma prise de sang entre temps, et j'ai acheté 2-3 trucs à la pharmacie. Oui, je vous montre. J'ai craqué pour un Yogiti, vous savez, dans mon swap avec Rima, elle m'a fait découvrir cette marque-là, de thé... d'infusion organique, donc bon, je ne connaissais absolument pas. J'ai adoré celui qu'elle m'a offert, il est quasi fini, je vous en parlerai dans une vidéo favori je pense, mais du coup j'avais envie de tester celui-ci qui était à 3,40 je crois, donc ma foi, à la cannelle, je crois qu'il y a du citron, du rooibos. Je pensais que le rooibos c'était du thé du coup, mais non, je pense pas en fait, ça doit être une épice. Au réglisse, coriandre, gingembre, poivre noir, clou de girofle, bon, zeste d'orange, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais bon. C'est aux épices de Noël. J'ai pris du Vix pour le nez là parce que j'ai trop mal au nez, je suis enrhumée et je commence à avoir mal à la gorge, ça me saoule. Des Doliprane pour moi et mon mari parce que ça sert toujours, et des tétines pour mon fils. Moi j'achète toujours ma main pour celles qui s'intéressent, même pour ma fille, mon fils et bébé 3, ça sera du MAM, je suis fidèle à MAM. Donc voilà.
Là, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, le numéro 7. D'ailleurs, hier, j'ai ouvert les 6 premières cases, du coup, d'un coup. J'ai été pourri gâtée déjà. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si elle est en ligne déjà. Et puis, ma foi, cet après-midi, je vais récupérer, donc après mon fils, à 11h, faire à manger. Et cet après-midi, je vais rien faire de plus. Ah si, je vais essayer de vous tourner ici une vidéo unboxing, mais peut-être pas cet après-midi. Ici ça me paraît compromis quand même parce que mon fils va faire la sieste et j'aimerais bien faire un joli décor, mais avec les nouveaux éclairages j'y arrive pas, je ne sais pas encore comment faire. Ou faut que j'investisse dans des lumières derrière, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir à tout ça, mais c'est vrai que la ring light c'est pas pareil que les éclairages qui se font sur les côtés, ça donne pas pareil derrière, ça fait du coup un peu terne derrière je trouve, et c'est dommage. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En revanche pour le make-up, j'ai l'impression que ça fait ressortir beaucoup plus le make-up. J'ai fait un joli make-up d'ailleurs aujourd'hui. Enfin j'ai tenté de faire un joli make-up avec ma fameuse base spéciale paillettes de chez NYX. Donc dont je vous ai parlé là dans le fond dans mon weekly vlog spécial Black Friday où j'ai pas mal craqué. On se retrouve, il est 18h30, je vais partir me doucher, vous constatez que je suis dans la salle de bain. Aujourd'hui j'ai porté toute la journée ma nouvelle montre Daniel Wellington et honnêtement il n'y a rien à dire, je la sentais quasiment pas, hyper agréable à porter, donc ça c'est top parce que j'en ai une de Michael Kors qui est vraiment lourde et du coup elle me gênait dans la journée, donc là rien à dire, ça c'est top. J'ai reçu tout à l'heure de ma boîte aux lettres un petit produit de My Jolie Candle et via Octoly, vous savez que c'est des produits qu'on reçoit gratuitement quand on les choisit et honnêtement je vous en ai parlé l'été dernier de cette bougie là, c'est Virgin Mojito, c'est un peu au citron vert comme ça. Comment ça sent tellement bon et c'était une de mes bougies chouchou, elle sentait vraiment très 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 bon. Bon bien sûr vous allez vous dire la fille elle va pas faire brûler ça maintenant, non je ne vais pas la faire brûler tout de suite maintenant parce que c'est pas une odeur d'hiver, mais je la garde précieusement pour dès que les beaux jours arriveront parce que c'est vrai, je l'avais vraiment vraiment adorée. Et là à l'intérieur on a un bijou qui est un bracelet. Je rappelle que les bougies My Jolie Candle sont faites en France et en cire naturelle. Je vous mets à chaque fois le lien en barre d'infos et un code promo, je crois bien qu'il est encore valide. En tout cas, je vous le mets en barre d'infos. Donc, je vais aller donc me doucher. J'aime bien aussi m'allumer des bougies d'ailleurs pendant que je suis des fois quand je me fais un petit bain. Cette fois-là, je vais pas utiliser celle-là. Mais là, de toute façon, je vais pas faire un bain, je vais faire une petite douche. Et après la douche, on va tester ensemble ce masque, vous savez, les fameux masques de chez Sephora, Booster d'éclat, Glow Booster, masque métallisé argenté. J'aime bien tester dans mes vlogs des masques, donc là, on va tester celui-ci que j'ai reçu de la part de Sephora. Donc pourquoi pas, juste après, quand j'aurai démaquillé tout ça, pris ma douche et que je serai relaxée, vous me reverrez avec cette petite truc-là. Et puis on fera un petit bilan, voir si ça vaut le coup ou pas. Moi, j'adore les masques pieds et mains, mais les masques... les masques pieds... Et non, oui, c'est ça. Mais les masques visage, on va dire que je suis un petit peu moins emballée chez Sephora. Ils sont sympas, mais c'est pas non plus la révélation du siècle. Donc, on va tester celui-ci. Et voilà, sur peau sèche et propre, on pose le masque. Ma foi, ils sont forts, mais c'est une odeur agréable. Je sais pas ce que c'est comme odeur, mais c'est hyper agréable. Donc, il faut le laisser poser 15 minutes. Donc, je vais aller voir mes enfants comme ça pour leur faire un peu peur. Ça serait rigolo, ça, non? Puis après je vous redis si ça a fonctionné, ma peau avait besoin d'hydratation donc ça peut pas lui faire de mal. Et voilà, peau toute propre, hyper bien hydratée. Honnêtement, j'ai été conquise par ce masque. Je pense que je m'en rachèterai d'autres dans ceci-là. L'odeur était agréable. Je trouve que ma peau, elle est un peu repulpée. Il y a de l'éclat, enfin j'en sais rien. J'ai rien mis d'autre. J'ai juste fait pénétrer la crème qui restait. Je me suis fait un petit exfoliant lèvres de chez Lush dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo unboxing que je vous mettrai ici. D'ailleurs, j'ai utilisé tous les produits que j'ai reçus Lush dans ma salle de bain tout à l'heure. Hein. Je me suis fait un petit kiff. Et honnêtement, waouh. Je trouve qu'elle est bien rebondie. Bon, j'ai toujours mes petites cernes et tout, mais ça lui a fait du bien. Parce que là, elle était vraiment déshydratée au niveau des joues. Ce qui m'arrive rarement. Mais voilà, je valide ce masque Sephora. Et je vous retrouve demain pour clôturer ce vlog. Coucou! Donc aujourd'hui, on est samedi. Comme je vous ai dit, je vous reprendrai. Là, je suis juste le teint maquillée. Un joli rouge à lèvres, mais je me suis pas maquillée les yeux. Puisque j'aimerais bien tester ma Huda Beauty et vous faire une vidéo si j'ai la motivation et la force aujourd'hui, mais on verra. Ce matin, on est parti avec mon doudou et mes enfants chez Jiffy, oui encore. Je vous remettrai ici mon dernier haul craquage chez Jiffy Action. J'ai vraiment beaucoup craqué, mais là, j'avais envie d'y retourner parce qu'il y avait d'autres petites choses qui me plaisaient. J'avais repéré des petites choses encore pour
continuer ma déco de chambre. Je vous avais montré ça sur Instagram. Donc je vais vous montrer les trois petites choses que j'ai trouvées. D'ailleurs, là, pendant 3-4 jours, je sais pas si quand ma vidéo sera en ligne, ce sera encore actuel, mais je pense que oui. Je crois que du 7 au 9 décembre, dès que vous dépassez les 50 euros chez Jiffy, vous avez 30% remboursé en bon d'achat. Donc moi, du coup, j'ai dépensé autour de 57 euros et j'ai eu quand même presque 20 euros en bon d'achat à utiliser la prochaine fois. Donc je trouve ça juste trop bien comme offre. En plus de ça, j'ai eu des offres VIP grâce à la carte que vous avez sur votre téléphone portable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voici l'objet du délit. Je suis retournée là-bas parce que je voulais montrer à mon mari des petites choses pour la chambre. Nous avons acheté deux petites lampes de chevet comme ça, et celles que j'avais, je vais les mettre ailleurs. Donc j'ai trouvé très jolie, il y a beaucoup de choix, mais voilà, c'est celle-ci qui correspondait, on va dire, le mieux au niveau taille et au niveau design à notre chambre. Il y avait aussi des petits tabourets que je voulais acheter, mais j'ai encore hésité, donc je verrai la prochaine fois. Pour la chambre de mon fils, on a craqué pour des rideaux à 10 euros, des voiles un petit peu, des rideaux voiles, pour un effet juste blanc, simple et lumineux. Voilà, des fleurs de douche à 95 centimes, parce que ça, on en a pris pour toute la famille, les notes sont vraiment très vieilles, donc chacun aura la sienne. Au niveau décoration de Noël, on a pris des stickers comme ça, 1,50€ pour ma fille, pour qu'elle fasse des petites décos sur ses feuilles, etc. Pour, vous savez, la dernière fois dans mon hall, j'ai acheté le diffuseur d'huiles essentielles. Je trouve que c'est vraiment merveilleusement bien. J'avais pris deux odeurs, je crois Zen et Vitalité. Et du coup là, je me suis pris en huile essentielle douceur de vanille de la marque Meseguet. Et c'est à l'extrait de naturel de vanille avec de l'orange douce et de l'ylang ylang. Donc ça, je me suis dit, quand on veut une petite odeur un peu plus gourmande et tout, ça peut être sympa. Il y avait aussi Fleur de Carré qui me disait bien, mais je l'achèterai la prochaine fois. Bah du coup, avec mon bon d'achat, j'achète ça. Et là, on arrive dans les bons plans. J'ai trouvé ce joli cadre, vraiment très très joli, avec cette petite déco fraîche et tout. Je vais mettre peut-être une photo pour ma collègue, où je vais voir. Mais je voulais l'offrir à ma collègue, au lieu de 2,70€, il est passé à 85 centimes, donc très sympa comme idée cadeau. Je vais lui offrir avec, alors bien sûr je vais pas offrir que ça, mais je vais lui offrir je pense avec une photo de sa fille et avec d'autres choses, des bougies etc. que j'avais pour elle aussi, donc ça je trouve que ça vaut le coup. C'était avec la carte VIP cette fois-ci. Et dans le rayon bougies, j'ai craqué pour des bougies, oui encore, hein. Pour ma maman cette fois-ci, j'ai pris tout un lot qui ressemble un peu à la marque Mathilde M dans le design. Vous voyez, un petit peu à l'ancienne comme ça. Donc là, c'était une bougie parfumée à la fleur de lotis exactement. Elle coûtait vraiment pas cher, au lieu de 4 euros. Elle est passée à moins 30, je crois, passée à 2,70 ou un truc comme ça. Mais vraiment, vraiment pas cher. Donc j'ai sauté dessus. Celle-ci, encore une fois, pareil, en promo. Et c'est au jasmin. Voilà, une odeur que j'aime beaucoup et je trouve que c'est très sympa. Ma mère, elle aime bien ce genre de petites choses-là. Elle en a pas trop chez elle dans son nouvel appartement. Donc je me suis dit pourquoi pas lui en acheter, lui faire un petit coffret comme ça. Et pour aller avec, vous savez que j'adore ce genre de choses là. Pareil, je l'ai pris pour ma maman. C'est une sorte de diffuseur de parfum. 3,90€ ce truc là, il est trop beau. Vous verrez, la bouteille elle est magnifique. C'est toujours au jasmin. Avec les petits bâtons comme ça qui sentent bon. Donc voilà, pour offrir, il y a un super coffret pour ma maman. Allez, ça m'a coûté même pas 10 euros. Même pas 10 euros, hein, vraiment. Donc ça, je trouve ça top. Là-bas, vous pouvez vraiment trouver des merveilles. Il y avait une tasse avec un ananas aussi et une petite coupelle et tout qui était juste trop magnifique à 8 euros. Elle était énorme, la tasse d'ailleurs. Mais bon, mon mari me dit que j'ai toujours trop de tasses, donc j'ai résisté. Il était là pour me faire tenir. Donc voilà pour mes petits craquages, c'est Jiffy. Je vais aller m'empresser d'aller ouvrir mon calendrier de l'Avent du jour parce que j'ai envie. Et puis voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas tout de suite maintenant à liker cette vidéo si ce weekly vlog vous plaît. Je vais peut-être l'arrêter là parce que vous l'aurez en ligne mercredi. Je voudrais pas qu'il dure 20 ans. Déjà, je crois qu'il est autour déjà des 20 minutes. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si ça vous saoule quand c'est trop long ou pas. Moi j'aime pas les vlogs qui durent une heure parce que faut pouvoir avoir le temps de les regarder. Mais voilà, bon, j'essaye de vous montrer un petit peu les bribes de mes journées, de mes trucs. Et du coup cet après-midi, est-ce que je vais tenter le maquillage osé avec la palette Huda Beauty? Je ne sais pas. Bon, en tout cas là on est dans un nouveau décor entre guillemets. Peut-être que je filmerai plus souvent ici dans mon bureau. Et d'ailleurs, dans mon bureau, je voulais vous tourner une vidéo bullet journal, hein. Vous vous souvenez de mon bullet journal, il est toujours là. Il a beaucoup avancé, hein. Petit aperçu d'abord. Tadam. Et je voulais vous montrer ça, donc il va falloir que je prenne le temps aussi de vous filmer ça. Donc on va clôturer ce dimanche vlog ici. Donc vous voyez, j'ai installé mes deux petites lampes là-bas. Et l'autre côté, attendez, quoi ça, l'autre côté pour celle de chez Jiffy que j'ai acheté hier.
Donc j'en suis ravie, elles sont trop belles. On a installé le rideau aussi dans la chambre de mon fils, je vais vous montrer comment ça se sera fait. Même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Voyez, on a mis le petit rideau ici en fait qui était en voile blanc, un petit peu coton. Et puis on a mis ces doubles rideaux pour quand il fait la sieste. Voilà. Vous ne me voyez plus, c'est très bien. Et on a mis des petits trucs ici pour éviter que ça touche le radiateur. D'ailleurs, dans la chambre de mon fils, vous voyez, il y a son petit tipi. Et au-dessus, on avait installé il y a quelques temps. Je ne sais plus si je vous avais montré. J'arrive pas à cadrer des fois. Voilà, au-dessus du tipi qui est là, on a installé une petite étagère comme ça pour ces petites choses. Avec les fameuses boîtes que vous avez vues dans le dernier vlog. Ma valise est prête ici, vous la voyez. Il y a même le cadeau du calendrier de l'Avent de demain. Parce que je ne serai pas chez moi, donc je vais l'emmener. Je suis épuisée. Ah, depuis que je fais mes allers-retours Paris, je déteste presque le dimanche, ce qui est vraiment étrange, hein, parce que c'est quand même un jour que j'aimais beaucoup avant, et là j'aime plus trop parce que c'est toujours speed, j'ai 3 000 trucs à faire en une journée, enfin bon, c'est le bazar. Donc là, mon objectif du jour quand même, avant de partir, c'est de faire 2-3 photos pour mon Instagram parce que j'ai des choses à faire. Je voulais vous tourner une vidéo produit terminé, mais je ne crois pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Je voulais vous tourner une vidéo glam bag parce que j'ai reçu 3 glam bags du Canada, mais je ne pourrai pas aujourd'hui. Mais en revanche, je vais vous faire des photos pour Insta parce que ça fait quelques temps que j'ai pas mis de photos sur mon petit Insta et j'ai plein de choses à vous mettre, à vous faire découvrir. Donc bah, on se rejoint là-bas en attendant un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut !